Bienvenue dans Carré Musique. C'est carré. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Carré Musique. C'est le légendaire Landry l'Entertainer et DJ Doux l'Ambianceur. C'est l'heure de vous raconter une nouvelle histoire qui rentrera dans la légende. Et pour ce faire, qui de mieux que le légendaire? Ce soir, c'est la légende d'Anaïs Barbera. Elle me demande souvent si j'ai trouvé chaussure à mon pied. Je sais qu'elle se fait du mouron, qu'elle aimerait me voir accompagnée. Je la rassure un peu, j'ai toujours été solitaire. Je lui dis que seule je suis mieux et qu'elle n'a pas à s'en faire. Tu sais mamie, ce n'est plus comme avant, génération de flippés. Tu penses voir arriver le prince charmant et c'est un autre détraqué. Il y a sûrement un défaut de fabrication ou autre. L'amour est un bien grand mot qui n'a pas su passer les époques. T'es toujours seule à 30 ans, on dirait que c'est pas normal. Bonjour Anaïs, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carré Musique. Merci. Nous sommes très très ravis de t'accueillir dans les studios du Sub pour cette nouvelle édition qui t'est consacrée. Bien, je suis très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition de Carré Musique, on va vouloir parler de ta musique, des débuts de ta carrière. Ensuite, on passera au blind test où on testera tes connaissances un peu sur un blind test spécial musique française en tout genre. Et on finira par ton live. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, avant de commencer par étudier ta musique, on va un peu parler de toi. Dis-nous un peu plus sur Madame Anaïs Barbera, d'où elle vient, où elle est née. J'ai 31 ans, je suis née à Nice, représente. 06. 06. Voilà, j'ai grandi à Nice, j'ai pas mal voyagé un petit peu. Mais c'était plus par rapport à mon boulot qui était dans la restauration. D'accord. Donc j'ai un petit peu bougé et là ça fait 4 ans maintenant que je suis à Paris. D'accord. Voilà. Tu es venue à Paris pour le travail ou pour la musique? Pour la musique. D'accord. Ah oui, oui. Tu avais déjà commencé à Nice? Pas vraiment, non, pas vraiment. Mais c'est vrai que le jour où j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et de faire ça plus sérieusement, je me suis dit que la capitale était quand même le meilleur endroit. C'est Paris qui est magique? C'est une ville d'opportunité, on va dire. Voilà. Tu supportes le PSG? Pas du tout. Non. Je m'en doutais aussi. L'OGC, hein. Malgré leur déboire. Oui, c'est vrai. Bon, après, on a une équipe de chèvres, c'est ma ville, je la soutiens. On soutient toujours. Alors, Anaïs, à quel âge tu as commencé la musique, donc? J'ai commencé, je devais avoir 17 ans. D'accord. Et je faisais les refrains de mes potes rappeurs. Ah, cool. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Tu te rappelles de leur nom d'artiste, peut-être ou... Oui, les premiers avec qui j'ai commencé, c'était Chaotic 747. Waouh. Voilà, dédicace. Voilà. Shout out to my nigga Chaotic 747, represent. Voilà, qui fait toujours du son aujourd'hui, d'ailleurs. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Il y en avait beaucoup. Mais la plupart, ce sont des Niçois. Cool. Et sur Paris, tu as rencontré d'autres artistes hip-hop ou pas encore? Un petit peu, mais après j'avoue que bon, je fais pas vraiment du hip-hop, donc c'est pas vers cette branche-là entre guillemets que je me tourne. C'est vrai. Voilà. Mais j'ai lu un peu dans ta biographie que c'est vrai que le hip-hop a influencé un peu plus ton écriture. Le rap français surtout. Ouais, oui. Le rap français, hein, ça a vraiment influencé un peu ta façon d'écrire. Et je crois qu'il y a une phrase où il disait comme tu pouvais pas être rappeuse. T'as fini par être chanteuse, mais tout en ayant gardé cet esprit un peu punchlineuse. C'est vrai que j'aurais bien aimé rapper, mais malheureusement, je ne sais pas le faire. Mais oui, le rap français, c'est ma musique préférée, en fait. Yes. Donc c'est pour ça que mes textes... Enfin, je pense être une chanteuse à texte, parce que ça reste une plume un peu urbaine, je pense. Tu composes toutes tes chansons? Oui, j'écris toutes mes chansons. C'est ça. Prenez-en de la graine, c'est important de composer les filles. Si vous voulez monter plus loin. Alors, bah très bien.
On a fait un petit peu le tour de tes débuts. Là, on va commencer par étudier ta musique. J'ai choisi quelques chansons à toi, avec certains que j'ai trouvés avec des jolis clips. Et forcément, c'est ceux qui m'ont frappé le plus. Donc, c'est mon choix personnel, ne m'en veux pas. Mais je pense qu'elles vont te plaire quand même. Donc, le premier son que l'on va s'écouter, il s'appelle « Des jours et des nuits ». À force de tourner en rond, il y a des jours comme ça où j'aime plus les gens. Je vois bien que tu me mens et ça, ça me dérange. Il y a des jours comme ça où je plane trop bas quand la direction lâche et que mon avion se crache. Heureusement, t'es là pour me retenir. Pas à l'abri qu'une fois tu ne puisses pas venir. Je me vois avec toi, mais ça, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu te sens capable de gérer? Alors, dans le titre « Des jours et des nuits », je pense que l'inspiration du titre, c'était plutôt le côté jour, les bons moments, peut-être des nuits, des mauvais moments, ou c'était peut-être dans une autre idée ? Oh, c'était les jours et les nuits. Par rapport au temps qui passe. C'est ça, la chose. On va dire que c'était une journée pas très gaie. D'accord. je m'en doute parce qu'en fait, dans cette chanson, tu parles tes peurs, tes névroses, que... aucun homme serait capable de te comprendre, de t'aider, de t'apporter ce que tu recherches, c'est ça ? Pas, oui, enfin un petit peu, mais là, dans ce son-là, c'est plus bah, de dire que je... la musique, c'est un petit peu la seule chose qui m'inspire. Et en gros, c'était tourné dans le sens où est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrivera à me suivre malgré mes délires, entre guillemets. Donc c'était plus ça. Question, t'es déjà tombée amoureuse ? Oui. Ah. Bon, quelquefois, ça crée des... ça crée encore plus de démons en nous. C'est pas faux. Parfait. Le prochain son que l'on va écouter, il s'appelle « Je ne veux plus de toi ». Ah oui. Tu me fais de la peine quand je t'entends. Tu me fais de la peine quand je te vois. Et tout ce que je trouve est tentant. Chez toi, je n'arrive plus à le voir. Je crois que tu as fait ton temps. J'ai enfin tué tout espoir. Cette image que j'avais avant ne reflète plus mes sentiments. Et pourtant je t'aimais d'un amour qui aurait pu tuer quelqu'un. Je me suis battue pour tous les jours, mon amour, mais tu ne nous as pas fait du bien. Oh, je ne veux plus de toi. Je chante, je sais plus comment te dire. Tu as joué avec moi. Donc, je suis déjà tombée amoureuse. Exactement. Voilà. Exactement. Mais tu n'es pas du genre à revenir en arrière, à ce que je comprends. Ouh. C'est arrivé. J'ai fait des réchauffés, hein, pourtant. Hein. Des réchauffés, on en a toutes faites. Et du réchauffé de réchauffé. Et oui. Bon, après, on apprend avec le temps, donc on évite. Ouais, on sait qu'une fois que c'est réchauffé une fois, c'est pas la peine d'y retourner. Mais oui, j'en ai quand même refait. Es-tu du genre à écouter tes copines lorsqu'elles te donnent des conseils, surtout sur l'amour ? Pas vraiment. Voilà, elles m'écoutent plus, elles, que moi, je les écoute. Je suis plus de bons conseils, moi, qu'elles, finalement. Ouais. Donc, non, j'écoute pas trop les autres là-dessus. J'essaye de suivre ma petite voix intérieure et ça vaut un petit peu pour tout dans ma vie. Tu leur dis, fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Ou tu leur montres l'exemple. Oui, après, je conseille. Je conseille avec l'expérience. Exactement. La voix de la sagesse. Ouais, et d'ailleurs... il y aura tout à l'heure un titre sur lequel tu parles de ça. On y reviendra. Le très bon son, d'ailleurs, qui est-ce que tu as gardé toujours le même entourage par rapport à l'ingé son, par rapport au management ? Est-ce que c'est toujours le même entourage du début de tes arrivées à Paris ? Alors non, puisque j'avais un ingé son à l'époque, qui est un ami aussi, puisque c'est souvent tous des amis à chaque fois.
quand j'étais à Nice, et du coup, depuis que je suis à Paris, non, c'est pas la même équipe. Après, j'avoue qu'en fait, j'ai pas vraiment d'équipe non plus, à part un ingénieur son. Mais sinon, non, c'est un petit peu moi qui pioche tout ce qui est pour les instrus, c'est moi qui fais mes textes et mes mélodies. Donc après, pour l'instant, j'ai besoin que d'un ingénieur son, pardon. Parfait. Et j'ai aussi donc un vidéomaker qui me suit, Anthony Terror. Okay. Grosse dédicace. Big up, Anthony. Voilà. Et d'ailleurs, sur cet instru-là, c'est une instru qui bouge bien, qui est bien travaillée, je l'aime beaucoup. Hein, c'est instru clubbing. Comment tu l'as travaillé dès le début, on te l'a proposé, t'as senti l'inspiration et t'es parti écrire dessus. Au niveau des instrus ? Ouais, c'est surtout celle-là. Ah, je marche toujours au coup de cœur, quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est vrai que j'écoute, ça me plaît, je fais. C'est ça. Parfois j'écoute, ça me plaît, j'arrive à rien faire. Ça arrive aussi, c'est vrai. Mais oui, pour les instrus, je ne marche qu'au coup de cœur et c'est pour ça que j'ai pas de style d'instru particulière. C'est vraiment de tout. C'est ouf parce que en tant que chanteuse, je suis un mode opérationnel très rappeuse. C'est-à-dire qu'on propose des instrus, tu dis « celle-là, elle me plaît », tu bouges la tête, ça se trouve, tu lèves, tu danses, tu dis « c'est bon, j'ai le truc », parce que quelquefois, tu l'as pas. C'est ça. Quelquefois, il faut du sérum de vérité pour l'avoir. Ça arrive. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ce son par rapport à son instru, le texte aussi, la voix. Tout colle bien. Le prochain son que l'on va s'écouter s'appelle « Comme tout le monde ». Elle passe ses journées à travailler, en fait, ses soirées aussi, pour un taf qui avant lui plaisait, mais qui maintenant l'ennuie. Toujours cette tendance à rêver, toujours rationnellement triste. Elle aimerait voir sa vie changer, que ses buts se concrétisent. Je lui dis souvent, sois heureuse, sois contente de respirer, mais ça n'a pas l'air de lui faire beaucoup d'effet. Non, 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 non. Viendra ton heure si tu le veux, où tu pourras vraiment danser, danser. Dans ce titre, comme tout le monde, tu t'adresses à ton alter ego ou à une personne lambda dont tu ne te reconnais pas ? Alors en fait, dans ce titre-là, je parle de moi à la troisième personne. Voilà. Mais c'est bien à moi que je parle. Exactement. Et c'est un plutôt... Voilà, tu te conseilles avec le recul, c'est ça ? Ou tu te boostes, tu te donnes de la motivation ? Je me booste. Mmh. Et après, c'est vrai que quand je dis « prends la vie comme elle vient car tu n'as pas vraiment le choix », c'est un peu la vérité. Hein. C'est ça. Donc bon. Et après, donc oui, je parle aussi de mon boulot, de mon boulot qui ne me passionne pas spécialement. Donc là, oui, c'est vrai que je me parle à moi en me disant « serre les dents et puis si tu fais tout pour y arriver, ça devrait bien se passer ». Voilà. C'est très bien. Donc c'est plutôt ta philosophie qui est « carpe diem ». Voilà, tout à fait. Tu la sens bien. Et... Bon, ça dépend des moments, hein, parce qu'évidemment, on est plusieurs, nous aussi. C'est ça, c'est ça. Toujours dissonance cognitive, plusieurs personnages en toi et tu... Est-ce que tu les gères tous ? Est-ce que c'est toi la chef, d'ailleurs, de toutes ces... Normalement, oui. Devant la caméra, je vais dire que c'est moi la chef. Après, en réalité, ça dépend. Ça dépend du niveau de fatigue, si tu arrives à tout contrôler. Mm-hmm. Parfait. Bah, d'ailleurs, ça tombe très bien. Le prochain tir nous fait descendre 6 pieds sous terre et il s'appelle « En enfer ». J'étais jeune, je me souviens, c'était différent. J'avais le cœur pur, je rêvais du prince charmant. J'ai donné mon corps et mon cœur à 18 ans. J'imaginais que ce serait le seul jusqu'à maintenant. De toutes mes copines, c'était moi la plus sage. De toutes mes copines, c'était moi qui faisais le moins de ça. À l'époque, j'étais une fille bien. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre de rien. Moi, j'irai où ? J'irai en enfer. Parce que je les trompe tous. Parce que je les trompe tous. Moi, j'irai où ? J'irai en enfer. Même si je jure qu'à la base, je ne voulais pas le faire. Moi, j'irai, moi, j'irai, moi, j'irai en enfer. Si je les trompe, c'est sûrement que je n'ai pas trouvé ma perle. Moi, j'irai, moi, j'irai, moi, j'irai en enfer. Espérons que ce ne soit héréditaire. Parce que c'est vrai, je joue un peu, j'aime boire de quoi je souffle. Tu peux jouer les amis. Alors, ce titre, il est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que t'es arrivé en enfer quand t'es arrivé à Paris.
Est-ce qu'il y a une corrélation avec la ville lumière ou... C'est fou que tu dises ça, parce que c'est un petit peu vrai. C'est ça. C'est, tu m'as dit à peu près 17-18 ans. Comme par hasard, c'est là où tu commences à faire du... Non, pas du sale, non. Au contraire. C'est là où tu commences à faire quelques bêtises, mais t'es celle qui faisait le moins de sale. Ouais. Et bizarrement, la ville de Paris, comme à peu près tout le monde, ça réveille... Bon, après, ça fait que 4 ans que je suis là. Que 4 ans? Oui, de 18 à il y a 4 ans, on est passé quand même. Ça, c'est toi qui le dis, je viens de croire. Et le monde parisien, vraiment, tu penses qu'il a, sur une fille de la province, ça peut... Il faut être prêt. Faut-il être prêt? Alors, sur une sudiste, ouais. Le gros problème, qu'est-ce que c'est à Paris, à ton avis? Le froid? Le soleil. Ah oui, oui, moi, voilà, c'est ça. Voilà, c'est le froid ça. Et le soleil. Ouais. Donc oui, en termes de chaleur, de température et de morale tout court, c'est dur. T'as découvert ton vrai teint à Paris, peut-être? Oui, voilà. À Nice, tu disais, je pense que je suis plutôt tissé. En fait, t'arrives à Paris, t'es genre, exactement. I'm not a tissé. J'ai découvert les UV à Paris en début de saison. C'est vrai que ça joue sur le moral. La mélanine joue sur le comportement, le moral, le temps. Donc. Après, je pense que c'est une question d'habitude. C'est et ça. Vraiment, voilà, quand on est né sudiste et qu'on est né avec le soleil tous les jours, je vous jure, c'est compliqué. Je vous jure, c'est vous les Parisiens. Hein, mais, on passe du périph', on voit la mer, on voit le périph', on se dit... Ah. Après, voilà, ça reste une super belle ville. On va pas se mentir, c'est magnifique. Mais c'est magnifique quand il fait beau. Ça, c'est vrai. Totalement. Et dans ce titre, donc forcément, tu racontes un peu, tu parles à ton... C'est un journal intime un peu quand même. C'est un testament. Je ne sais pas si tu avais étudié comme moi à l'époque du collège Jean-Jacques Rousseau, le testament. Et forcément, il dit ses bonnes et mauvaises actions dans ce livre qu'il veut laisser en tant que voilà, représentation de sa vie. Et dans ce titre, En Enfer, bah, j'ai l'impression que tu laisses quand même un testament où tu dis que tu n'es pas la petite Anaïs Barbera qui est née comme une fée et qui... Est-ce que... Voilà. Après, c'est ce titre, bon, je l'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu... Il est original, on va dire. Après, bon, tout ce que j'écris, ça reste la vérité, malheureusement. Donc oui, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver quelqu'un, on va dire. Bon, là, on n'est pas dans Confession intime, hein. Mais voilà. Et je pense que si je les trompe aujourd'hui encore, c'est parce que je n'ai pas trouvé ma perle, comme je le dis dans le refrain. Et c'est vrai que, ouais, réellement, t'es sincère. Ça peut faire peur comme ça peut faire... Après, mon but n'est pas d'être comme ça à vie, hein. Exactement. Hein, non, qu'on se le dise. On va te donner de la cosmo-énergie pour que tu trouves l'ultra-instinct. Super. On va passer au prochain son qui s'appelle « Si je me plains ». Je n'arrive plus à écrire. Non. Ils m'ont foutu le doute. De ouf. Je raconte trop ma vie. Ouais. Et là je fais fausse route. Merci les gars. Je dois chanter des histoires. Ah ouais. Ou du moins mieux les tourner. Ok. Mais quand je pleure le soir, alors qui dois-je soigner? Quand il faut plaire aux autres, je déteste ça. Que le tournant est proche. Proche du sais. Tu choisis mal les notes. C'est con ça. Et y'a que toi qui accroche. Je suis dans un mauvais. Alors, si je me plante, j'ai écouté ce titre comme un son de rap. Je sais pas pourquoi. J'ai kiffé les paroles. J'ai kiffé peut-être le BPM, le rythme, qui était très hip-hop. Hein, on entend caisse claire, les basses, on entend vraiment le beat hip-hop. Donc forcément, je me suis focalisé un peu sur les punchlines. Et dans ce son, il y a une punchline que j'aime bien. D'ailleurs, dis-moi si j'ai mal écouté le mot. Mais c'est, j'ouvre les guillemets, « Si je me plante, j'aiguiserai bien ma lame. Si je dois me planter, ça finira dans le sale. » Où vas-tu chercher toutes ces punchlines? Je sais pas vraiment si c'est une punchline. Elle est un peu triste, hein, d'ailleurs. Oh, trop. Mais je pense que comme tout artiste, voilà, on a peur, quand on essaye de tout donner, on a peur de pas réussir. Et dans mon cas particulier, j'ai un petit peu tout lâché pour ça. Donc la musique, oui, en gros, c'est si je me plante, que diront-ils de moi? Comment je vais gérer ça? Voilà, je me prépare au pire, c'est ça. Au cas où. Ah, faut toujours se préparer au pire. Et
ça permet de ne pas être, de tomber de haut. Mais par exemple, pour un titre comme ça, est-ce que avant de te mettre à écrire, tu écoutes des bons sons hip-hop, hardcore, ou je sais pas, comment te vient l'inspiration? L'inspiration, ça se commande pas en fait. Ouais. C'est des fois, je suis chez moi et d'un coup, j'ai envie d'écrire. Et donc, soit j'ai déjà l'instru sous la main, donc ça tombe très bien. Soit sinon, je vais essayer de la chercher, d'en écouter. Mais j'avoue que l'inspiration, c'est vraiment quelque chose. Je peux pas me dire, tiens, cet après-midi, j'écris, je reste chez moi et j'écris. Non, si j'en ai pas envie, j'en ai pas envie. C'est donc, l'alter ego d'Anaïs qui toque. Ouais, exactement. Écoute, là, j'ai du sale à écrire. Moi, comparé aux rappeurs connus dont on parlait tout à l'heure, exact. Qui écrivaient dans les transports, non, c'est pas mon délire, moi. Ouais, c'est dans le noir avec une bougie. Oui, c'est tamiser avec une bouteille de vin, ouais, plutôt. C'est ça, sérum de vérité. Et c'est parti. Voilà. Et d'ailleurs, au début, on en avait parlé. Est-ce que toi, je sais que bon, forcément, en écoutant tes textes, que tu ne t'auto-censures pas. Est-ce que forcément, il arrive à ton entourage familial ou amical de dire yes. Ah mais écoutez, on a Mickaël qui est présent ici qui pourra vous le dire. Mickaël c'est mon ingénieur son et mon ami aussi. Parfait. Et c'est vrai qu'il des fois il me dit des trucs du genre ah non mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Et du coup plus il me dit ça plus j'ai envie de le faire. Plus t'as envie d'écrire. Bon après des fois il a raison hein. C'est ça. Mais des fois je rentre à la maison je lui dis ah mais t'avais raison. Ça passe pas. C'est mais, l'avantage. Mais j'essaye un maximum de ne pas me censurer. C'est bien. Voilà. C'était très bien. Il faut être brut de décrochage. Prochain... là, je voulais te demander, en fait, parce que si je me plante, c'était le dernier que j'avais choisi. Mm-hmm. Je voulais savoir avec toi, quelle est l'actualité présente, puisqu'on a terminé le flashback. Est-ce que album préparation, est-ce que d'autres titres qui arrivent? Alors, tout à fait, j'ai un EP en préparation, d'accord. Donc de 5 titres, qui est quasiment fini et qui devrait sortir d'ici un bon mois, d'accord. J'espère. Voilà. Dans la sonorité, continuité, ou là, tu as décidé d'aller dans un autre mood? Alors, c'est toujours moi, après. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas de style prédéfini. Voilà, c'est un petit peu... C'est un petit peu ma particularité, c'est que je ne pense pas avoir une ligne directive artistique et que je fais un petit peu ce que je veux. Et donc, c'est vrai que les instrus sont ultra différentes. J'ai essayé de faire 5 sons vraiment différents. Voilà. Après, toujours avec ma plume, hein, toujours avec moi. Mais il y a même une instru qui est un peu rock, très rock. Donc, pas du tout à la base ce que j'utilise. Mais comme je te dis, je marche au coup de cœur. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Le flashback s'arrête là, donc, et on va passer au blind test. Le blind test que j'ai choisi pour toi, il est spécial, parce que tu m'as inspiré sur ce style musical pop, qui peut même être pop urbain, voire avec des écritures hip-hop. Donc j'ai décidé de faire un blind test particulier où tu auras un artiste de rap français, année 2000-2010, qui aura rappé sur une sorte de sample d'un chanteur de variété française. Et donc, juste après, l'artiste qui suivra, ça sera cet artiste-là qui avait sorti le son original de variété française. Tu vas comprendre directement avec le premier son, DJ Doux. Balance-moi le premier son, s'il te plaît. Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire de cash. Flow, dois-je passer ma vie en marche d'un système qui me dévisage? Mon panache comme bagage, sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je le vois prospère. Pas duplex, busy, compte en caisse rempli, grosse sacoche. Borsalino, BM, Porsche, nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue Foch, gloire, pouvoir sortir de la rue. Croire, vouloir se battre pour avoir ce qui t'est du nez. Jamais grosse perdue. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Sors de ton cul de sac du cycle infernal du gène que le béton détraque. As-tu reconnu cet artiste? Alors, j'ai déjà écouté, je me souviens plus du nom. Alors, lui, il était membre d'un groupe qui s'appelait la Clica. Ah oui, c'est vieux, ça. Hein. Ouais, c'est très, très... Très, très vieux, ça. Très, très vieux, mais comme c'est un très bon sample. Son nom d'artiste commence par un R. Il vient d'Amérique latine, colombiano. Ricky Martin. Ouais, écoute, je sais pas. Vive une vida loca. Non, c'est pas lui. Non. Ro.
Rocca. Je t'ai dit que j'étais nulle, là. Non, bon. Bah, on va te donner. Ça s'appelle Rocca. Ah oui, Rocca. Effectivement, de nom, ça me dit quelque chose. Mais c'était pas la même instru que L'âme, elle a fait quelque chose dessus. L'âme aussi ah, a fait. Ah, mais voilà. L'âme aussi a fait un sample dessus, exactement. Je veux chanter pour ceux. Voilà. Bah, d'ailleurs, ça tombe bien parce que Rocca a repris le sample d'un artiste. D'ailleurs, comme je t'ai donné le titre, Je veux chanter pour ceux, il faudra juste que tu me retrouves le nom de l'artiste. Balance-moi DJ Doux. Eh oui, mais je l'ai sur le bout de la langue. Ah ouais, il faut sortir, il faut sortir. Michel Berger ? Non ? Lourd. Bah ouais. Ah c'est ça, non ? Bah ouais. Ah. Ah, quand même. Chaud, celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Michel Berger. Elle a l'air de te plaire celle-ci, hein ? Hein ? Elle a l'air de te plaire. Ah, je kiffe. Michel Berger. Rest in peace, my nigga. Non, respect. Non, mais c'est de la belle référence. Oh ouais, non, lourd. C'est beaucoup de rappeurs qui font les thugs, qui s'inspirent beaucoup de Michel Berger et d'autres chanteurs, Brassens et autres. Et voilà, c'est une très belle plume française. Donc, rodant à César, ce qui est à César. Et donc, c'était le sample original de Michel Berger, chanté par L'âme, chanté par Rocca, et peut-être d'autres artistes qui l'ont repris, dont je ne sais le nom, mais en tout cas, t'as trouvé. Ouf, Michel Berger. Un point. Un point. DJ Doux, balance-moi le prochain artiste, c'est obligé que tu le connaisses. De son oncle, mon 6-45, je suis le bitume avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Moi la barre, je suis coupé N, sale noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sans faire la maison. J'ai pris la vie par derrière, sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné. Tu connais la joie, tout le monde. Duba. Oh, lourde. Et il a pris une chanson des choristes, c'est ça, un truc comme ça. Non. Non, c'est pas ça l'instru. Non, ne dis pas ça. Mais quoi ? Please, no attends, way. Attends. Oh non. Ça me dit quelque chose, hein. T'étais bien parti. T'étais bien parti, mais... Elle a dit les choristes. Mais... Attends. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Elle a dit les choristes. Mais de toute façon, c'est pas grave. Parce que comme j'ai dit... C'est pas loin, non ? Tout de suite après... Si, c'est loin. Vois sur ton chemin, tout ça, et l'origine... Ah, balance-moi du dédou, le prochain soir, elle va trouver. Sur un banc, ah oui, Renaud. Regardez les gens tant qu'il y en a. Ah mon gars sûr. Mon gars sûr, Renaud. Big up à toi, c'est mon gars. Renaud. Heureusement que tu l'as trouvé, hein, parce que les choristes, yeah, c'est ouais, c'est le même genre d'instru. Ah, va demander à Renaud si c'est le même style. Il va participer, hein. Il va dire, elle, pas de featuring. Voilà. Non, Renaud, Mistral gagnant. En plus, c'est les ventes chez toi, ça. Mistral, Tramontane, moi je sais que Claire Chazal elle parlait tout le temps de Mistral, Tramontane vers chez toi, donc... Oui, bien sûr. C'est tout ce que j'avais sur le... Il y a Nice et il y a Marseille, hein. Ah, oh, hein, pardon, voilà. C'est pas le même vent. Ah, non. Ah, sorry. Sorry, vous êtes à je sais pas combien de kilomètres, c'est tout proche, mais c'est pas le même vent. C'est le même soleil. C'est le même soleil, en tout cas, exactement. C'est le même soleil pour tout le monde. deux groupes, deux chansons. Le prochain, s'il te plaît, DJ Doux. C'est pas un genre qui m'écoute, je m'esclave. Là je m'exclame sans technique. Alors sèche tes mimiques, je suis pas ton esclave. Moi j'exclame sur l'hydration comme l'Erika. Trop lyrical pour une minute de silence. Mon Dieu blesse America. Délicat sont des vers trempés dans la poisse. J'ai la trempe des poids lourds, le poids des mots qui ont la gouache. Le cœur à gauche comme mon bras, celui qui braque la feuille blanche. J'évite les cobras, les onibasco qui me branchent. Rien que je bronche sur nos fiascos. On fait confiance, co. Trafic qui nous finance et pas aux filles, confiance, co. Médie humaine, rêve inédit dans mes échos, man. Toujours la même déco. Dieu et diable finissent les échos. J'm'exécute même quand le cadre est exigu. Ma zik en exil, zigzag entre les basses et les aigus. J'mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre font en bloc cette chienne de Marine Le Pen. J'ai pas de farine pour les narines.
Il a été un des jurys de Popstar, un rappeur très 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 connu. Ah, il a fait un feat avec Diams aussi. Oui, avec oui, beaucoup de parties. Oui, c'est Youssoupha. Ah, Prince, parolier, le lyriciste. C'est parce qu'à la fin, quand il a dit Marine Le Pen, ça m'a... Ouais, mais ça sinon, les polémiques, tout ça. Youssoupha, bien vu. Là, t'as très 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 bien trouvé. Le sample, tu peux essayer de le trouver avant. Non, mais... non. On va quand même je vois pas du tout ce que c'est. Tu vas sûrement reconnaître la voix. Même moi, la chanson, je la connaissais pas trop. Mais j'aime quand même bien l'artiste. Balance-moi DJ Doux, le dernier artiste du Blind Test. Ça, j'étais née. Non, mais parce qu'à un moment donné, bon. C'est pas sûr que tu sois née. C'est Michel Sardou. Lourd. C'est vrai. Oh. Oh putain. S'il n'avait pas la même voix, ça devait être quand tu étais jeune. Là. Mais là, t'as envoyé du lourd. Bien sûr que c'était Michel Sardou. Même d'accord. Moi, je connaissais pas. Ouais, ouais. J'ai pas reconnu sa voix d'ailleurs. Oui, on est d'accord, j'ai pas reconnu sa voix. Plus jamais France à celle-là. C'est dans les débuts. Bah, ça te fait quoi, hein, 4 sur 5. Là, c'est 4 points pour celui-ci. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 5 sur 6. C'était juste Roca. Ouais. Pardonne-la, Roca. Ouais, elle ne savait pas que c'était toi. Non. Mais en tout cas, lourd le blind test. T'as trouvé la version hip-hop. T'as trouvé la version française, chanson française. Et franchement, avec ton Michel Sardou, tu as remonté dans mon estime. Super. Donc, respect. Thanks. Anaïs Barbera, c'est la fin de notre interview. Donc, tu vas devoir passer au live. Yes. Avant de passer au live, tu connais la chanson. Tu dois check la caméra à côté de moi, faire un shout-out, une dédicace à Karim Music, représentant ton nom, big up qui tu veux, Mickaël, tous les autres, les clippers, big up la MIF. Et ça se passe dans cette caméra-là. Donc, dédicace à Karim Music qui m'a invité. Merci pour l'invitation. Et non, pas de big up à personne d'autre. Voilà, big up à non, moi-même. À moi-même. Voilà, force à moi, force à nous. En tout cas, ça nous a fait très, très plaisir... Ah, c'est une des plus kiffantes interviews que j'ai eues. Ah. Vraiment, t'es un phénomène. T'as bien rigolé. Bien rigolé. Je sais que je parlais à plusieurs personnes en un, déjà. C'est ce qui a confirmé les... Voilà, cette phrase. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, le nom, c'est toujours Anaïs Barbera, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Anaïs Barbera, B-A-R-B-E-R-A. Change pas une équipe qui gagne. Barbera. Voilà. Yeah. Voilà, donc on va te souhaiter un très très bon live, très très bonne continuation pour la suite, et on se dit peut-être à très bientôt dans une nouvelle émission qui te sera dédiée dans Karim Music. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Très très bon live. Quand j'étais jeune, je me souviens, c'était différent. J'avais le cœur pur, je rêvais du prince charmant. J'ai donné mon corps et mon cœur. À 18 ans, j'imaginais que ce serait le seul. Jusqu'à maintenant, de toutes mes copines, c'était moi la plus sale. De toutes mes copines, c'était moi qui faisais le moins de sale. À l'époque, j'étais une fille bien. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre de rien. Moi, j'irai où? J'irai en enfer. Parce que je les trompe tous. Parce que je les trompe tous. Moi, j'irai où? J'irai en enfer, même si je jure qu'à la base je ne voulais pas le faire. Moi j'irai, moi j'irai, moi j'irai en enfer. Si je les trompe, c'est sûrement que je n'ai pas trouvé ma paire. Moi j'irai, moi j'irai, moi j'irai en enfer. Espérons que ce ne soit héréditaire. Parce que c'est vrai, je joue un peu, j'aime voir de quoi ils sont faits. Tu peux jouer les amoureux, j'attendrai un an de fée. J'aime trop les mauvais chemins, c'est tout ce que je préfère. Du soir au lendemain, je ferai mes affaires.
Ce soir je suis avec toi, mais lundi je vois l'autre. Je ne l'aime pas plus que toi, sauf quand il passe la porte. Il a ce je ne sais quoi, là je t'enrobe la chose. Il le fait bien mieux que toi, et ça sort tranquille en pause. Ouais, qu'est-ce que ça fait moi? Je m'en fous, je m'en fous. Qu'est-ce que j'y peux moi? S'il y a toujours un truc, s'il y a toujours un truc, moi j'irai où? J'irai en enfer, parce que je les trompe tous, parce que je les trompe tous. Moi j'irai où? J'irai en enfer, même si je jure qu'à la base je ne voulais pas le faire. Moi j'irai où? J'irai en enfer, parce que je les trompe tous, parce que je les trompe tous. Moi j'irai où? J'irai en enfer, même si je jure qu'à la base je ne voulais pas le faire.